souvent malmenée par l'homme. Le furet, petit animal domestique créé par l'homme, est victime de l'engouement qu'il suscite. De plus en plus apprécié comme animal de compagnie, il est aujourd'hui vendu dans des conditions pas toujours idéales. Et le problème majeur, c'est qu'on ne donne pas suffisamment d'informations aux acheteurs. On l'achète sans connaître les bons conseils, sans savoir les soins élémentaires à lui donner. Donc on l'achète tout bébé, sans savoir ce qu'il faut faire. Pour moi, la situation idéale, c'est d'avoir un furet qui est déjà tempéré, donc qui a passé sa jeunesse, qui a 6-7 mois, à condition qu'il soit stérilisé, et à condition qu'il ait eu la bonne éducation. Parce qu'il y a toute une éducation à la propreté, il y a une éducation au jeu, il y a une éducation à ne pas mordre. Pour moi, ça, ce serait l'idéal. La stérilisation n'est pas uniquement un élément de confort. Pour la femelle, il s'agit même d'une condition de survie. Sinon, il y aura tôt ou tard des problèmes, si la femelle n'est pas stérilisée, des troubles hormonaux qui engendreront des maladies quand même assez graves finalement. Le mâle, c'est un peu moins important, mais sinon il sera tout le temps en chaleur aussi. Il va aussi déclencher des problèmes au niveau du comportement, là plutôt, c'est moins pathologique. Impérative également, la vaccination. La maladie carrée doit absolument être faite. C'est une maladie qui est très 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 dangereuse pour le furet, qui provoque souvent la mort. Donc là, je crois que c'est ça qu'il faut faire, hein. La vaccination en premier lieu et la stérilisation éventuellement. Oui, mais cela coûte cher. Devant les frais à engager et face au caractère pas toujours facile du petit animal, beaucoup de gens décident de s'en séparer. C'est cette recrudescence d'abandon qui a poussé Christine à créer la Ligue nationale pour la protection du furet. La vocation de la Ligue n'est pas de récupérer tous les furets, c'est surtout de faire de l'information et essayer de donner les bons conseils pour que les gens fassent ce qu'il faut et qu'ils trouvent une complicité, parce que c'est un animal formidable quand même. Vous avez combien de petits furets ici ? Pour l'instant, on en a une petite quinzaine. Ce sont des bébés abandonnés après une semaine d'acquisition, des mamans gestantes, des mamans avec des bébés de 3 semaines dont on sait plus s'occuper. Mais ils sont tous là, ils sont tous en pleine forme. Le but, c'est bien sûr de replacer le maximum de petits furets à l'adoption. Mais avant cela, Christine et Jean-François devront parfaire leur éducation et leur socialisation. Il faut le prendre, il faut le manipuler, il faut lui regarder les oreilles, nettoyer les oreilles, lui ouvrir la gueule, lui couper les ongles. Il faut qu'il puisse se laisser faire aux manipulations toutes simples. Donc pour lui donner confiance, il aura confiance en l'homme et il la gardera. Une fois qu'il l'a acquise, il la gardera, mais ça doit être entretenu. Que faut-il faire si on est mordu par un furet ? La meilleure des choses est de pouvoir arriver à lui pincer, voilà, comme ça, la mâchoire sur le côté. Dès qu'on lui touche la mâchoire sur les côtés, il a tendance vraiment à ouvrir. Bon, il faut avoir la force de le faire, mais si le doigt est coincé, lui pincer la mâchoire, il devrait théoriquement lâcher. Une fois éduqué et parfaitement socialisé, votre petit furet aura besoin d'une cage aménagée pour son confort. Un bac à litière, ça c'est très important, comme les chats. Un petit hamac, parce qu'ils adorent les hamacs. Et toutes sortes de tissus, des paniers, des doudous. Moi, j'appelle ça des doudous, mais voilà, ça, c'est le minimum qu'ils ont besoin. Le furet étant un animal social, l'idéal est d'en avoir 2. Même s'ils dorment une grande partie de la journée, il faudra les sortir de leur cage au moins 2 heures par jour pour qu'ils puissent se défouler en jouant comme des petits fous. Est-ce qu'ils pourraient vivre uniquement en appartement ? Tout à fait. Il n'a pas trop d'exigences, c'est pas un animal qui a besoin du contact avec la nature. Ça ne lui déplaît pas, comme vous pouvez le constater, mais il n'en a pas absolument besoin. Il en a si peu besoin d'ailleurs que si l'idée saugrenue vous venait de l'abandonner en pleine nature, il n'y survivrait pas. Alors après la promenade, retour à la maison.